One love, c'est Dada pour toi et toi. Là, je suis à Roubion à côté de Cavaillon parce que Cavaillon, ben, je dois effectuer une série d'interviews en hommage à mon frère qui nous a quittés en décembre. J'ai déjà fait une vidéo précédemment pour parler de ça. Et là, je viens vous parler de l'Union nationale des Gilets jaunes. Alors, l'Union nationale des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je bosse en même temps. Je fais du nettoyage de carreaux. Pour un ami d'enfance qui refait sa maison. Transformer une vieille ruine en jolie maison, mais n'a pas fini. Par contre, donc venons-en à l'Union nationale des Gilets jaunes. Donc l'Union nationale des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est né pour rassembler tous les Gilets jaunes possibles et imaginables, ainsi que même ceux qui ne sont pas Gilets jaunes, mais qui sont contre ce système dictatorial, qui veulent qu'on se vaccine, et qui veulent qu'on porte un masque toute la journée, et nos enfants aussi, qui nous mettent des restrictions pas possibles, des couvre-feux, des confinements, etc. Et donc c'est un mouvement, nous ne comptons pas faire comme on faisait, parce que ça fait 50 ans de manifestations en France. Qu'est-ce qui a changé? Qui est capable de me dire ce qui a changé concrètement dans le sens du peuple en 50 ans? Rien, n'est-ce pas? Au contraire, ça s'est empiré. Alors moi, ce que je préconise, et je ne suis pas le seul, c'est de changer de tactique. Les manifester, se manifester, c'est-à-dire plutôt que de faire des blocages ou quoi machin, mieux vaut aller bloquer et manifester dans les sièges sociaux des partis politiques, les loges maçonniques, les sièges sociaux des entreprises multinationales, quelles qu'elles soient. Occuper les banques, les écoles, les mairies, les préfectures, les ministères, le trésor public et toute administration ou institution possible et imaginable. Occuper les médias, les télés, les radios, Internet, les hackers là. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Les Anonymous, ils n'étaient pas censés nous sauver en piratant les sites de l'État, non? Ils n'ont jamais fait. Seuls certains d'entre eux l'ont fait. Certains ont été récupérés par l'État après coup, mais d'autres non. Mais voilà. Moi, je me demande ce qu'on attend. Et le meilleur moyen d'en finir avec tout ça, c'est le boycott total. Le boycott total. Et arrêtez de donner des sous après vos manifs aux entreprises qui ont mis au pouvoir ces gens-là. Parce qu'ils sont aux ordres des multinationales. Alors qu'ils devraient servir le peuple, les politiciens, etc. Il y a des détournements d'argent, des placements abusifs d'enfants, il y a trop de choses qui vont pas, quoi. Trop de choses qui vont pas. Des gens qui sont en prison pour rien, parce qu'ils n'ont pas pu payer ceci ou cela, ou tout simplement parce qu'ils ont porté un gilet jaune, qui sont encore en prison. Il y a des gens qui sont défigurés, il y a des gens qui n'ont plus de mains, il y a des gens qui n'ont plus de pieds, il y a des gens qui ont perdu la vie. Et il y a un an, on nous dit confinement, tout le monde est rentré chez lui, la queue entre les jambes. Ça veut dire quoi? Où sont les gilets jaunes? Tu vois? Le mouvement des gilets jaunes est parti en sucette à partir du moment où les manifestations ont été déclarées. Au début, l'État flippait, on aurait pu tout plier en une semaine. Mais
Voilà quoi. Il faut arrêter d'être pacifiste. Soyons non violents, mais pas pacifistes. Le pacifiste, c'est un peu hey, pourquoi tu me tapes, machin. Alors que le non violent, il se défend. C'est-à-dire ne pas faire de violence, mais il faut se défendre. Punaise. Comment ça? Moi j'ai vu. Parce que moi je vais dans des manifs, c'est pas pour manifester, c'est pour filmer en tant que reporter. Pour l'Union nationale des Gilets jaunes. Pour le peuple. Et je vois parfois 20 CRS qui font courir 500 gilets jaunes ou 500 manifestants. Je vois des CRS ou des gendarmes mobiles traîner des papilles, des femmes, des mineurs. Et les tabasser avec des matraques. Ils les traînent par terre, les tabassent avec des matraques. Ils les gazent. C'est un oiseau qui est dans un arbre. Le bruit. Donc il est gaz vraiment à bout portant. Et tu vois, parfois, ils sont quatre à s'acharner sur un pauvre gars ou une pauvre nana. Et qu'est-ce qui se passe? Genre 20, 30, 40, 50 personnes, 100 personnes autour qui filment et de loin disent « Lâchez-le, c'est pas bien !» Ou qui crient « La police avec nous !» En 50 ans, la police, elle aurait pas déjà été avec nous depuis. Non, je pense qu'ils seront jamais avec nous. Peut-être quelques flics dissidents. Il y en a un sur Internet qui a démissionné. Qui était policier, il a démissionné, quoi. Et là, il roule pour le peuple, par exemple. Il fait souvent des lives et tout. La chaîne, on va pas se mentir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à moi, Dada et Fils. Et également à la chaîne Union Nationale des Gilets Jaunes. Voilà, parce que nous allons faire des réunions discrètes et secrètes et agir dans la discrétion et le secret, comme le faisaient les résistants face à l'oppression des nazis dans les années 40 pendant la guerre. Tu vois, les résistants, ils n'allaient pas s'habiller en jaune fluo et parler et aller gueuler dans la rue, etc. Tu vois. Voilà, et aussi arrêter de annoncer les manifs ou les opérations sur Facebook. Parce que, je sais pas, forcément qu'ils vont vous attendre et vous en mettre plein la gueule. Tu vois, moi j'appelais ça le match de hockey sur gueule du samedi. Tu vois, c'est du hockey sur gueule, tu vois, ou du ping-pong sur gueule, tu vois, du ping-pong, tu vois, la balle, du tennis. Tu vois, du tennis, ouais. CRS versus gendarme mobile. Et la balle de tennis, elle est jaune. La même couleur que le gilet. Tu vois, il est jaune. C'est dans le cœur. Tu vois, c'est la quintessence de toutes les luttes. Mais il faut pas se laisser abuser ni arnaquer par des pseudo-leaders qui vous amènent dans des manifs pour vous faire casser la gueule. Voilà. Que tu sois noir, blanc, jaune, ce que tu veux, voilà, tu peux être gilet jaune. Même si tu mets pas de gilet jaune. Mais le truc, voilà quoi, c'est. Il faut d'autres tactiques, d'autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez contacter l'Union nationale des Gilets jaunes, donc c'est. Il y a un mail. Elle lâchera. Sans l'accent circonflexe. gmail.com. Voilà, si vous avez des questions, etc., vous pouvez me contacter par ce biais-là. Enfin, nous contacter, pardon, pas me,
parce que moi c'est un autre email que j'ai. Et si vous voulez me contacter moi, ben c'est david.benz avec un S comme le riz, pas avec un Z comme la voiture, parce que le riz ça nourrit, la voiture ça pollue. Donc david.benz.dada@gmail.com. Voilà. Sur ce, je continue mon taf. Je vous dis one love et à bientôt pour une prochaine vidéo. One love. J'éteins.